Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, ça va super, super, super bien. C'est la première fois de ma vie que je vais voir l'équipe de France. Genre, depuis que je suis toute petite, je rêve d'aller les voir et là, ça y est, c'est le jour J. Je sais pas si vous les entendez. Il y a des poules derrière chez moi, elles sont chiantes. Oh là là, on entend que ça. J'espère que vous les entendez pas. Donc, je disais aujourd'hui, équipe de France, première fois pour moi, je suis trop, 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 trop contente. En plus, il y a Lensois qui joue, Jonathan Clauss, vous le savez tous de toute façon. J'espère que ce soir il sera titulaire. J'ai vu beaucoup de choses comme quoi, beaucoup d'articles, tout ça, comme quoi il devrait être titulaire normalement. Donc ça serait juste incroyable. Normalement, il y a plusieurs animations devant le stade, donc je verrai si j'arrive pas trop tard, si je peux vous les faire. En fait, c'est ça, dépend s'il y a du monde ou pas sur la route. À mon avis, il y aura du monde, c'est pour ça que je pars très tôt. Là, il va être 17h, je pars. Je vais partir là dès que j'ai fini mon intro. J'espère que j'aurai le temps de vous filmer tout ça, quelques animations, de faire des photos, etc. J'aurais bien aimé voir les joueurs, mais je sais pas par où exactement ils sortent. Et franchement, j'aurais trop kiffé les voir, mais une autre fois peut-être, j'espère. Et puis, on se donne rendez-vous au stade Pierre-Mauroy. À tout de suite! On est parti, regardez-moi cette élève sérieuse, j'ai pris mon cahier pour réviser sur la route parce que demain matin j'ai des partiels, le réveil il va piquer. Donc du coup on est bien arrivé au stade, ça a l'air gigantesque. Les grands panneaux, ils sont incroyables en vrai. Hein. Donc du coup je vais vous zoomer comme ça et je vais regarder si derrière c'est le même joueur ou pas. Ah non, là c'est chez vous, je vais vous montrer les autres. Donc du coup de l'autre côté c'est Yoris, Tchouaméni, Hernandez et Giroud. Bon, en fait ils ont mis des panneaux un peu partout. Il y a plus celui de Jonathan Clauss apparemment parce que comme il a été tagué ils ont enlevé... J'ai plein de photos de voir en plus. Par contre ils auraient pu mettre à jour les maillots quand même parce que là il y a quand même un banc de 4 et les 4 ben voilà quoi. Bon là-bas il y a un petit truc pour personnaliser des stickers, on va voir ce que ça donne, je vais essayer de faire le mien. Je sais pas ce que c'est. C'est bon, en fait ils l'ont remis, c'est incroyable, j'ai fait une photo, je m'en fous. Bon du coup au final ils ont remis le panneau de Clauss, j'ai pu le voir. Ils ont mis un vigile devant par contre pour plus qu'il soit redégradé. Du coup là-bas il y avait un jeu concours, je vous mets la vidéo juste après. Si on mettait la balle dans le... Si on met la balle dans le... Bah, dans le carreau de la voiture, on pouvait gagner un maillot dédicacé à l'équipe de France sur tirage au sort. Vous verrez que, si j'ai gagné ou pas. En tout cas j'ai eu un stylo. Ah, pas loin. J'étais à ça, à ça. Donc du coup pour les stickers il y a la queue. Tant pis. En fait le stade il ouvre dans 30 minutes, du coup on a le temps d'y aller quand même. Il est deg. Il est content le gogol, il y en a imprimé 4. Gogol. Bon, du coup j'ai pris celui-là parce que il est marrant et puis ça. Non. On est venu vraiment tôt parce qu'il est 18h45 et on a le temps de faire tout le tour du stade. Le stade il ouvre que dans 15 minutes. Les stickers ils ont déteint sur mes mains. Je les ai enlevés trop vite. Bon voilà, on est rentré, plus qu'à aller dans le stade. Je vais pas mentir que je suis perdue là, c'est galère. C'est galère, il y a trop d'entrées. En vrai, celle-là c'est pas beau, mais le stade ça va. Hein. Oh, je suis rang 20, je suis trop haut. Et ben non, regardez le rang 20, il est juste devant. Et je suis grave bien placée. Et je suis placée comme à Bollard en vrai. En vrai, c'est ma place dans tous les stades maintenant, ça y est. Je suis
bête. En fait, je suis pas rang 20, je suis place 20. Au final, c'est quand même là. Et je suis pas trop... Attendez. En vrai, je vois bien quand même. Bon, du coup, là, il n'y a plus qu'à attendre 2 heures. Le match, il commence dans 2 heures. Ils sont en train de faire un blind test. En vrai, c'est grave bien les avant-matchs d'équipe de France. C'est... J'aurais tout trouvé, moi. Ils devraient m'interroger pour les blind tests. L'équipe de France, elle va bientôt rentrer. Il est la cloche. Et les Africains. Mais du coup, ils cachent. Ça fait trop beau. J'ai croisé des abonnés, par contre je crois que j'ai aussi croisé des haters, ça m'énerve trop mal. Alors soit ils n'ont pas de saucisses dans leur friterie, ou soit j'ai pas été dans la bonne. En tout cas j'ai le seum. Après ils ont pas de saucisses mais ils ont des pizzas. T'en as plein sur ta bouche. Yeah!
Oh oh oh, il marque quoi. Bon, on va en mettre un pour chaque équipe quand même. Si on voit. Oh, l'équipe noire, elle est trop forte. Faut que vous voyez les dribbles et tout qu'ils font. Oh non, il s'est loupé. Mais les autres, ils étaient trop chauds, j'aurais dû filmer. Ça reprend. Le meilleur joueur de l'équipe de France, il est là-bas. Javi. La sortie également numéro 9, Olivier Giroud. Ben Yedder. La sortie également numéro 13, Enzo Conte. Remplacé par le numéro 6, Paul Pogba. Par contre, Kylian Mbappé, il est incroyable. Ils mettent la barre, c'est lourd. Allez. Je suis à 2-2 prendre mes places pour le mois de juin là, mais voilà quoi. Il y a encore plein de monde, on allait aller à la friterie, ils viennent juste de fermer. C'est abusé, il est 23h40. C'est bon, j'ai trouvé, ils ont 45 000 trucs de nourriture différents ici, c'est un truc de fou. Bon, c'est cool, c'était super bien tout ça, mais demain matin il y a cours. Demain matin j'ai des partiels à passer. Demain matin je vais pleurer.
Bon, sinon, pour l'ambiance, vous voyez qu'on était à Lille, ça avait un peu du mal des fois. Le plus qu'on a entendu, je pense, c'est Jonathan Kloss dans la tribune où j'étais. C'était incroyable, c'était le cop Lanceau. Il y a des gens qui attendent là-bas. En fait, je commence à croire que c'est la sortie des joueurs, mais je sais pas, du coup, j'ai pas envie d'attendre pour rien, mais j'ai envie d'attendre. J'aurais bien le seum si par la suite j'apprends que en fait c'était vraiment les joueurs. Mais je sais pas vraiment par où ils sortent. Je suis un peu dégoûtée. Bon, du coup, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il va vous plaire. Moi, en tout cas, j'étais trop contente. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Lâchez le petit pouce bleu, le commentaire, partagez la vidéo. Et puis, on se retrouve le prochain match. Je pense que ça sera au Stade Bollard. Ciao.